On se retrouve pour une nouvelle découverte, un nouveau jeu. Nous sommes sur Against the Storm, un jeu dans lequel nous allons devoir construire une ville qui va devoir survivre à la tempête. Il y a plusieurs mécaniques assez intéressantes dans le jeu, notamment le fait que c'est un roguelite, autrement dit qu'il y a une rejouabilité constante, puisqu'on va relancer des niveaux encore et encore. Déjà, on ne va pas forcément les gagner, hein. C'est pas un city building qui est forcément si facile, si simple à réussir. Peut-être que les premières parties se passeront mieux que les, on va dire les plus lointaines que mid-game ou late-game, mais dans tous les cas, il va falloir relancer des constructions de villes assez régulièrement. Puisque le but du jeu, ça va être, par ces colonies qu'on va aller développer, récupérer des ressources qui vont nous permettre d'améliorer notre QG. Et au fur et à mesure qu'on va améliorer notre QG, on va gagner des bonus sur le fait de faire de nouvelles colonies, et donc avoir un certain nombre d'éléments en plus. Against the Storm, c'est un jeu qui est en Early Access, qui me faisait de l'œil depuis longtemps, depuis très très longtemps, ça doit faire 6 mois facilement que je l'ai vu passer et qu'il me tente, énormément. Et il se trouve que, bah, par le plus grand des hasards, le développeur du jeu a vu que je m'intéressais au jeu, notamment sur Twitter, et il se trouve qu'il a demandé à son publisher, à son éditeur, voilà, à son éditeur de me contacter pour me donner une clé. Donc je peux vous présenter le jeu parce que Hooded Horse, l'éditeur qui publie le jeu, m'a donné une clé pour le tester. Donc c'était très très cool déjà de leur part, c'est vraiment sympa. Et vraiment le jeu a l'air assez incroyable. Enfin, c'est typiquement en tout cas le genre de jeu qui me parle. Déjà sur la chaîne, on avait fait un jeu qui s'appelait Thea The Awakening notamment, que je trouvais incroyable et que j'ai adoré. J'en ai fait notamment avec Céron en multi et c'était trop trop bien. C'est un jeu que j'aime beaucoup, j'avais fait le 1 et j'avais fait le 2 quand il était sorti. D'ailleurs, j'ai pas trop rejoué au 2, faudrait peut-être que je m'y remette un jour. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Et c'est un peu ce même genre de mécanique de construction de ville, d'exploration, des éléments un peu RPG et surtout des éléments roguelite qui me plaisent assez bien. J'aime assez les jeux roguelite. Donc là, on mélange un peu tout ce que j'aime, la construction de ville, le développement de base, d'exploration, parce qu'il y a toute une mécanique d'exploration. Là, vous voyez, par exemple, sur le menu, en fait, vous voyez une colonie. Vous avez à droite, là, juste ici, un espèce de monument qui fait une flamme. Ça va être le bâtiment principal de toutes vos colonies, qui va être assez important. Et comme vous le voyez, il y a de la forêt tout autour avec des petites zones ombragées. Et tout l'intérêt du jeu va être d'aller explorer ces petites zones ombragées avec le potentiel d'y trouver des choses très intéressantes, mais également des dangers. Donc il y a toute une mécanique d'exploration avec du gain, mais également des conséquences qu'il va falloir essayer de gérer et ne pas forcément se précipiter. Bref, je n'en dis pas plus, on est parti, on se lance dedans. Petit élément aussi quand même important pour ce début de VOD, ce début de présentation, sachez que Against the Storm, donc, est un jeu en Early Access. Ah, on va d'abord attendre. Le monde est ravagé par la calamité, non donnée à un terrible cycle de destruction qui anéantit tout sur son passage. Seule la cité incandescente où la mystérieuse reine calcinée règne demeure encore capable de protéger ses habitants du cataclysme. Vous faites partie de ces émissaires, ces pionniers, qu'elle a dépêchés aux quatre coins de l'étendue sauvage avec ordre d'établir de nouvelles colonies pour procurer de précieuses ressources à la couronne. Votre objectif est de contribuer à l'effort de reconstruction de la cité incandescente, d'assurer le futur des sujets de Sa Majesté la Reine. Ok. Donc comme j'étais en train de dire avant de me faire interrompre par la cinématique, vous allez vous retrouver avec des mises à jour toutes les 2 semaines. Ah, on se retrouve directement dans une colonie, tiens. Hop. Envoyé de Sa Majesté la Reine. Appuyez sur les touches directionnelles. Ok, très bien. Négliger votre village aura pour effet d'augmenter l'impatience de la reine, de sorte que vous risquez de vous attirer ses foudres. Oui, on va essayer d'éviter. Remplir votre devoir aura pour effet d'augmenter la réputation de la ville et vous permettre de déverrouiller de nouveaux bâtiments pour ensuite décrocher la victoire. Très bien. Aucun respect de la part des cinématiques, ouais. Choisissez à présent un nouveau plan. Cliquez sur l'icône de couronne ci-dessous, le plan du camp de bûcheronnage. Chaque expédition commence avec seulement quelques plans essentiels. Vous en recevrez davantage au fur et à mesure que vous gagnez des points de réputation. Choisissez à présent le camp de bûcheronnage. Oui, très bien. Appuyez sur espace pour reprendre la partie. Construisez un camp de bûcheron. Explorez la forêt. Vous devez faire en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. Ok, donc, bam, petit camp de bûcherons. Alors, regardons un petit peu autour de nous.
on a des petites zones à explorer. Alors là, on voit qu'il y a du danger, par contre, vous voyez. Typiquement, là, il n'y a rien, donc ça veut dire que je peux y aller dans cette zone, je n'aurai pas de malus. Par contre, ici, clairière dangereuse. Cette clairière habite une menace, mais offre aussi de nombreuses récompenses en contrepartie. Donc l'intérêt, c'est que soit vous allez sur des petites sections comme ça, où bah, finalement, il n'y a pas forcément de grandes récompenses, mais il n'y a pas de danger. En tout cas, vraiment minime. A contrario, soit vous allez dans des directions un peu plus dangereuses, vous savez que vous allez devoir gérer une menace potentiellement importante, mais à contrario, vous récupérez pas mal de choses. Bon, nous, on va rester plutôt sur du safe. Je vais venir mettre... Alors, attendez, comment est-ce que... Hop, voilà, comme ça. Je vais venir le mettre par ici. Hop, hop. Ça me semble pas mal. On va venir mettre une route. Voilà. Ça, c'est la place centrale. Donc, la place centrale, j'ai tendance à vouloir faire plutôt, on va dire, un joli petit quadrillage. Et peut-être commencer à mettre des routes sur les côtés à plus long terme. Voir comment est-ce qu'on va peut-être explorer cette zone au fur et à mesure. Hop. De toute façon, non, je me dis que dans tous les cas, les routes, ça sera utile. Dans tous les cas, ça permettra d'aller plus vite, je présume. On relance le temps. Est-ce que j'ai d'autres bâtiments à débloquer pour l'instant ou pas? Non, par contre, j'ai de la déco. Ok, on verra plus tard si ça a une utilité. Donc ça, c'est le petit foyer, c'est le cœur de notre ville qu'il va falloir garder tout le temps allumé. Si on ne le garde pas allumé, bah, les gens meurent. Voilà, simple. Donc on va le garder allumé. Ça me semble plutôt une bonne idée. Et ça, c'est un entrepôt qui permet de stocker les ressources. Ok, nous avons des Jean-Michel dedans. Et on va pouvoir mettre des personnes. Alors on a des humains, on a un vieux monsieur et on a des lézards. Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc là, les... je sais pas ce que c'est ça. Des castors! Des castors, ok. Donc des castors. Comme vous le voyez, ils ont une espèce de petite roue de scie circulaire autour d'eux. Quand vous avez cet effet-là, une espèce de scie circulaire qui tourne autour, ça veut dire qu'ils sont dans un poste de travail où ils sont les plus compétents. Ils ont un bonus à être sur cet endroit-là plutôt qu'un autre. D'ailleurs, ici, nous avons un lézard dedans qui n'a pas cet effet. Pourtant, il me semblait que les lézards aimaient la chaleur et qu'ils étaient censés être bien là. Après, peut-être que comme c'est le foyer principal, il n'y a pas d'effet particulier. Ouais. Le jeu avec les castors et les lézards. Mais oui, non, mais il est trop bien. Ce jeu est trop bien. Et coucou Axel, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu te portes aussi bien que possible. Une nouvelle mission est disponible. Il faut que j'ai deux camps de bûcheronnage et que j'ai du bois. Très bien, on va faire ça. On va faire ça. Je vais venir mettre par là. Écoutez, ça me semble bien. On va relancer. On va relancer. Comment te sens-tu? Comment te portes-tu, Axel? J'espère aussi bien que possible. On a quoi comme effet? Ténèbres grandissantes. Bon, pour l'instant, on est sur du simple, donc ça va. Ça va. Donc là, il va falloir compléter notre mission, qu'on voit qu'elle est apparue juste ici à droite, ce qui est plutôt bien. Ça permet de garder assez facilement la direction qu'on est censé prendre. Ça, c'est quoi? Bûcher sacré, bonus de garde-feu. Les garde-feu lézardiens ont un savoir-faire particulier sur les rites anciens. Plus 1 à la résolution globale. Très bien. Seems so good. Là, il me faudrait un camp, et pour l'instant, je n'ai pas de camp. Ah! Nous avons découvert des choses ici. Nous avons découvert un nid de rapaces des tempêtes et d'un dépôt de racines. Très bien. Je peux conclure une des missions. Tac, donc je peux livrer. Et je gagne une grâce de la reine. Là, ça me débloque une deuxième chose. Ouvrir des clairières. Et il faudrait que j'ai 5 castors. Pour l'instant, j'en ai que 3. Gros problème, on a oublié un gros truc. Je dois le résoudre en urgence. J'ai besoin de quelqu'un de calme en fond sonore si ça te dérange pas. Mais non, absolument pas. Mets-toi bien, installe-toi. En plus, on est sur un jeu tout pipou, tout tranquille. On va survivre à la fin des temps. Vous gagnez en renommée. Vous pouvez désormais choisir une des plans de Sa Majesté la Reine. Que Sa Majesté la Reine vous offre. Donc on va débloquer l'abri. L'abri, chose incroyable, c'est une maison. Voilà, inattendu, je sais. Mais c'est une maison. Tac. On va venir placer ça ici. On va placer une petite route par là.
Non, là je peux pas parce que c'est un arbre, très bien. Ici, je peux venir placer des castors en plus. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc on construit des maisons pour abriter tout le monde. Ça me semble bien. Parce que là, si vous regardez, en fait, vous avez marqué leur état. Actuellement, si on prend le lézard, par exemple, il se trouve que j'ai 3 lézards en population. Voilà, donc j'ai 3 lézards dans ma ville. J'en ai 2 qui sont des ouvriers libres, c'est-à-dire qu'ils ne font pas grand-chose. Là, ils vont construire des trucs. Et j'en ai 3 qui sont sans abri. Si on prend les castors, j'en ai 6. Il n'y en a aucun qui est ouvrier libre, ça sous-entend qu'ils sont tous dans un poste de travail en particulier, ils sont 6 sans abri, et les humains, j'en ai 3, il y a 3 ouvriers libres, parce qu'aucun des humains n'est employé, et ils sont 3 sans abri, ce qui est normal, puisque pour l'instant, je n'ai pas de maison. Voilà, voilà. Heureusement qu'on n'est pas sur V-Rising. Oh non, sur V-Rising, ça irait encore, je reste assez calme. Hein. Je rage un peu parce que je galère de ouf à choper des graines de coton, mais en vrai, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Allez, continuons, continuons. On a bientôt découvert une nouvelle clairière, peut-être. C'est vrai que je pourrais essayer de prioriser. Ouais, je vais prioriser ici. Tac. Histoire de pousser à couper assez rapidement pour découvrir une nouvelle clairière et valider la mission. Ce qui serait une bonne chose. Ce qui serait une bonne chose. Après, je suis arrivé pour les graines de coton. Exactement, tu es arrivé pour les graines de coton. Faut savoir que Tiffen, elle a trouvé en une soirée plus de graines de coton, ou en tout cas la même quantité de graines de coton que j'en ai découvert depuis le début du jeu. Est-ce que j'ai le seum? Oui, bien sûr. Bien sûr. Obviously, oui. Bon, après, tant mieux, hein. Elle découvre les graines de coton, ce qui fait qu'on a enfin des graines de coton, ça fait plaisir. Mais bordel, quel enfer, quoi. Ce jeu qui te troll, qui te dit « Non, non, mais toi, t'en auras pas des graines de coton, hein. Tu les oublies, hein. » C'est sympa, mais en fait non. J'ai pas de quoi récupérer de la nourriture, par contre, ça c'est gênant. Parce qu'on est en train de baisser en termes de nourriture petit à petit. Et bonjour Arcani, à quoi est-ce qu'on joue? On joue à Against the Storm, qui est un petit jeu de roguelite, de construction de villes. Et donc, bah, on va devoir développer des colonies en chaîne pour essayer de débloquer des ressources. Et une fois qu'on a débloqué ces ressources, améliorer le QG et donc permettre de mieux faire de nouvelles cités de plus en plus loin de notre QG principal. Bon, là on est sur la première partie qui est globalement une partie tuto qui te dit bonjour, le jeu ça se joue comme ça. Donc pour l'instant on est sur du basique simple, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a une thème ou une époque? Alors on est comme son nom l'indique, Against the Storm. On est dans un monde post-apocalyptique où il y a une tempête cataclysmique qui détruit de manière cyclique le monde en fait. Ce qui est nul, voilà, on va pas se mentir, c'est nul. Donc on est dans un contexte un peu médiéval fantastique, post-apocalyptique. Nous avons plusieurs espèces. En l'occurrence là nous avons des humains, des castors et des lézards. Je ne sais pas s'il n'y a pas plus d'espèces. Si, je sais qu'il y a 4 espèces. Donc il y a une autre espèce encore mais que je ne sais pas ce que c'est. Parce que, pourquoi est-ce que je le sais? Ah oui, c'est ça que je pensais à vous dire tout à l'heure et que j'ai oublié. Parce que du coup on est en même temps en train de faire une VOD. Voilà, en même temps, on est en train de faire une VOD de présentation du jeu. On va faire un petit let's play, pas forcément très long, mais on va faire un petit let's play de présentation du jeu pour la chaîne YouTube. Et donc, un des éléments qui est très important, donc c'est un jeu qui est en Early Access, donc il vient de sortir là depuis 2 semaines en Early Access, et non, un peu plus. Ça doit faire un peu plus que 2 semaines qu'il est sorti en Early Access. Toujours est-il que un des trucs qui est très intéressant, c'est qu'on a une roadmap qui est très claire, qui définit bien tout un tas de choses, et ils font une mise à jour toutes les 2 semaines de la roadmap. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, ils vont sortir un certain nombre d'éléments qu'ils ont prévus dans la roadmap. Alors, ils ont bien précisé un truc que je trouve assez intéressant en soi, c'est qu'ils le font en fonction de comment est-ce que organiquement ça se passe dans le jeu. C'est-à-dire que si à la base, ils avaient prévu telle amélioration, puis telle amélioration, puis telle amélioration, sauf qu'en cours de route, quand ils font justement les mises à jour, ils se rendent compte que c'est plus simple de sauter une des améliorations pour y revenir plus tard, ils le feront. Ça veut dire que c'est pas genre, on vous a dit ça en premier, donc c'est le premier truc qu'on fait. Non, c'est ce qui va le plus facilement et le plus logiquement bien venir se coordonner avec ce qui est déjà présent dans le jeu, je présume en termes notamment de gameplay, comme aussi en termes de codage peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir qu'ils ont vraiment envie de faire des mises à jour vraiment régulières, assez propres. Moi, ça me semble plutôt pas mal. Ça me semble plutôt pas mal. On va avancer un petit peu la route. On va avancer un petit peu la route. Tac. Mais non, je me suis trompé. Je crois qu'il faut que j'annule comme ça, non?
Ouais, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Sûrement en fonction des retours de Early. Ouais. De toute façon, il y a une des mentions de la roadmap. Ils ont dit, bah, en fait, c'est des mises à jour non prévues par nous, mais prévues par vous. En fonction de ce que vous nous dites, clairement, on va faire tel ou tel truc parce que nous, on n'y a pas pensé, mais que bah, de manière évidente, vous montrez que, en fait, si, il fallait y penser. Ce que je trouve très bien, hein, au passage. On va venir mettre ça ici. On est d'accord que la route est bonne. Est-ce que j'ai autre part un truc que je peux récupérer? Non, pour l'instant, il n'y a que là où je pourrais récupérer de la bouffe. On va relancer le temps. Les développeurs ne pensent jamais à tout. Ouais, tout à fait. Mais le truc, c'est que tu as des développeurs qui vont te dire si, je pense à tout, promis, TKT. Et toi, tu es là en mode. Non, non, Billy. Non, non, Billy. Tu peux pas penser à tout. Mais ils en sont convaincus. Je connaissais un dev. Et certaines personnes qui passent régulièrement sur la chaîne le connaissent aussi parce qu'on s'est rencontrés par ce jeu-là et du coup par ce développeur-là. Et en l'occurrence, et il était très... comment dire? C'était une personne quelque peu arrogante qui était convaincue qu'il pensait et qu'il savait tout. Et le fait est que, de manière évidente, non. Non. De manière évidente, non, c'était pas le cas. Ça tombe bien, j'avais mis les humains au pif et les humains sont les plus adaptés pour récupérer de la bouffe. C'est génial. C'est parfait. C'est très très bien. Ça, il faudrait quoi? Un camp de récolte. C'est pas ça, hein? Non, c'est un camp de cueillette. Échec. Échec. Dommage. Très triste. Déception sans nom. Et maintenant, il faut récupérer des légumes. Un sur 5 légumes dans camp de cueillette. Mais il y en a deux là. Ah, parce que ça, c'est qu'un seul type de légumes et il doit vouloir plusieurs types. Il doit vouloir plusieurs types de légumes. Ah. Bon. On va essayer de faire ça vite. On va essayer de faire ça vite. Donc je donne des ordres de priorité pour essayer de découvrir des clairières le plus rapidement possible. Hein. Oh. Ça a changé. Accalmie. Oh. Très bien. Bon, écoutez, ça me va. Et coucou Solaris. J'espère que tu vas bien. On veut faire une ratatouille. Mais oui! Les humains sont les meilleurs fermiers, les castors, les meilleurs bûcherons. A priori, ouais. Si vous venez voir, en fait, ici. Hop là. Une espèce, donc pour les humains, une espèce capable de s'adapter à son environnement, mais qui est très sensible à la pluie. Les humains excellent en agriculture et sont de grands amateurs de brassage. Donc, en gros, ils sont boostés sur la production d'agriculture et ils ont des bonus, mais moindres, de ce que j'en comprends, sur le brassage. Parce qu'il s'est dit des grands amateurs et pas forcément excellents. Quoique, en vrai, peut-être qu'ils sont aussi bons l'un sur l'autre, c'est juste une écriture, je sais pas. Les castors sont des êtres travailleurs et honnêtes, mais aussi exigeants. Ils maîtrisent l'art de la menuiserie et apprécient l'ingénierie, ce qui semble assez cohérent. Les lézards sont une espèce très tenace et méfiante. Ils sont très doués pour tout ce qui touche aux animaux et à la production de viande. Ayant eux-mêmes le sang-froid, ils préfèrent travailler dans des environnements plus chauds. Ah, c'est pas mal. Ok. On a une nouvelle mission qu'on peut valider. Allez, très bien. La prochaine, ça va être quoi? Un camp de tailleurs de pierre. Et justement, oh tiens, nous avons débloqué le camp de tailleurs de pierre. On se demande bien pourquoi. Et nous avons ici justement de quoi venir récupérer les choses. Par là aussi. Le problème étant que là, ça va être chiant. Pour l'instant, je vais pas m'occuper de celle-là. Ça sera plus tard. Je pense que ce sera plus tard. Je pense que ce sera plus tard. On va relancer le temps. Les humains amateurs de brassage, même après l'apocalypse, on reste alcoolique. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Comment vas-tu du coup, Solaris? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te portes bien aujourd'hui? D'ailleurs, c'est quoi comme type de truc? Ça va être ingénierie, peut-être? Je sais pas. Ah, et d'ailleurs, ça, c'est un castor, du coup, non? Ça ressemble de ouf à un castor, ça. Ça me dit... Où est-ce que je peux voir à quoi ça correspond? Bonus de spécialisation. Ah, d'accord. Donc, s'il y a marqué un bonus, c'est qu'il y a un bonus. S'il n'y en a pas, c'est que OSEF. Bah, là, je vais mettre des humains, du coup. Écoutez... Parce qu'on est d'accord que ça débloque pas de bonus particulier. Donc un humain, ça sera très bien. Un humain mineur, ça sera très bien. Ma foi. Ma foi, ma foi.
Donc là, j'essaie d'aller découvrir ce qui se passe dans cette clairière. Oui, ça va, et toi et le chat? Ben, moi, ça va bien, en pleine découverte de jeu, donc moi, ça va forcément. Ça va forcément. Et en plus, on m'a donné la clé, justement, pour pouvoir tester le jeu, donc c'est assez appréciable. C'est assez appréciable. Il est beau, le monument du feu, hein. En vrai, je suis en train de regarder, mais il a la classe. Bonus d'amélioration, au moins 4 décorations de type confort doivent être construites dans le rayon de ce foyer pour faire progresser le relais. Ah. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Confort. Confort, 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 esthétique, harmonie. Bon, on va peut-être se mettre un petit peu de confort, hein, les gens. En vrai. On va peut-être se mettre un petit peu de confort. Tac. On va se faire un truc un peu joli. On va se faire un truc un peu joli. Tac. Hop, comme ça. Et on va faire passer une jolie petite route, je pense. Hop, 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 ça me semble bien. Et du coup, remettre un peu de trucs par là, ouais, ça me semble bien. Comme ça fait un petit carrefour au fur et à mesure. Et en même temps, ça donne le... Oh ! Ça l'a amélioré. Niveau actuel, campement. Réunis autour d'un bon feu, les colons se remontent le moral, plus de la résolution globale. La résistance à la corruption de l'ancien foyer est augmentée de 150. Niveau max atteint. D'autres personnes peuvent être, d'autres peuvent être débloquées à la cité incandescente. Voilà. Donc là, typiquement, on est sur le côté, justement, roguelite. Pour pouvoir améliorer plus le foyer, il va falloir donc compléter des missions, comme celle-là. Du coup, récupérer des ressources. Et au QG, pouvoir débloquer d'autres niveaux du foyer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, il y a une grosse rejouabilité sur le long terme, et c'est plutôt cool. Et c'est plutôt très cool. Et comme vous le voyez d'ailleurs, hein, visuellement, ça a changé le foyer, puisqu'il a des espèces de petites dorures et tout ça. Donc il y a un côté quand même très très classe. Hop là. Ici, qu'est-ce que... Ces colons ont été dépêchés ici par la couronne. Quel groupe désirez-vous employer, émissaire? L'autre continuera son chemin jusqu'à la prochaine colonie. Alors en vrai, on a le choix entre un lézard, un humain ou deux lézards, un humain. On va prendre deux lézards, un humain. On va prendre deux lézards, un humain. J'ai validé une mission également. Hop, on valide. Là, ça va me demander un camp de récolte. Ce que je présume que je vais débloquer. Oh tiens, un camp de récolte. C'était inattendu. Alors là, on a des choses. Oh, là aussi, on a des choses. Là aussi. Là aussi. On va venir mettre ça là. Est-ce que avec un camp de récolte, j'ai autre chose à part en bas? Non. Ça, qu'est-ce que c'est? Un camp d'ébauristerie. Un bâtiment détruit par la tempête. Il peut être reconstruit ou recyclé. Bah, j'ai bien envie de le reconstruire, moi. J'ai bien envie de le reconstruire. Il va juste falloir amener du bois et j'aurai récupéré un camp d'herboristerie. On est d'accord que c'est pas la même chose, hein? Non, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est toujours pas un camp de récolte non plus, donc ça va permettre de me récupérer d'autres ressources, comme peut-être les champs de lin, ou ce genre de choses. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. Tiens, d'ailleurs, ici, c'est quoi? Croque en sang. C'est de la nourriture, ça? Ma foi. On va aller récupérer tout ça. Je sais pas pourquoi, mais le jeu me fait penser à Zeus. Ouais, bah, y a un côté construction de ville et compagnie, avec notamment les routes, le fait de pouvoir placer les bâtiments autour, et ainsi de suite, qui fait très très penser à ce genre de jeu. Moi, à l'époque, je jouais pas à Zeus. Zeus, je l'ai découvert assez tard, au final. Qu'est-ce que c'est, ça? Un petit campement. On pourrait l'améliorer pour accueillir de nouveaux colons. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, ça a l'air bien. Ça a l'air très bien, ça me permet de récupérer des humains en plus. Enfin, des humains. Des gens. Il n'y a pas de bonus de récolte, donc je peux mettre un peu n'importe qui. On va mettre des lézards. On va mettre des lézards. Je jouais à... Et Zeus a pris un coup de vue assez vite. Ouais, c'est possible aussi. Moi, je jouais à celui qui est en Égypte, Pharaon. C'était Pharaon que moi, je faisais à l'époque et qui était trop bien. Je kiffais Pharaon de ouf. On a baissé un peu en matériaux de construction.
c'est pas forcément ultra bon signe. Je manque aussi un peu de place pour construire des maisons. Faudrait que là, les bouts de bois soient défoncés un petit peu. Je pense qu'on va vouloir agrandir par ici un petit peu. Ça serait bien. Ce serait bien. Alors là, d'ailleurs, vous voyez une différence de couleur. Jaune, je suis dans la portée du bûcheron. Blanc, je le suis pas. Tout simplement. Tout simplement. On va essayer de nettoyer un maximum de choses ici pour pouvoir éventuellement placer de nouveaux trucs. Donc là... Ah, j'ai oublié de placer des gens. Pardon. J'ai oublié de placer des gens. Autant pour moi. Petit campement inactif. Éclaireur... Ah! Non, attends. Examiner. J'ai oublié de marquer sur examiner. Ah bah oui, non mais aussi. Vous pouvez conclure... Ah, hop, hop. Pardon, il y a trop de trucs qui sont déclenchés en même temps. J'ai pas réussi à tout suivre. Ok, là. Je débloque la station de travail primitive. Ok. Qui est globalement une... D'accord, très bien. Où est-ce que je vais te poser? Je pense que je vais peut-être venir te poser par là. Et je vais mettre un abri ici. Hop, hop. Tac. Et à terme, ça serait bien d'en mettre un là aussi, mais je ne peux pas pour le moment. Je vais venir mettre un début de route. Et au fur et à mesure que les bûcherons vont tout casser, ça ira. Je serais éventuellement tenté de remettre un camp de bûcherons par là. Mais je pense que je déplacerai plutôt, en vrai, je déplacerai les autres. On va laisser comme ça. Pharaon, c'était trop chouette. C'était trop bien. Et il y a une version remasterisée de Pharaon qui va sortir, effectivement. Je l'ai vu de sortir. Enfin, je l'ai vu commencer à être évoqué il y a peut-être 2 ans maintenant. J'avoue que je suis d'impatience. Personnellement, je suis de ouf l'impatience. Parce que ça a l'air trop bien. C'est normalement un retravail avec un nouveau moteur et compagnie et probablement des nouveaux ajouts. En tout cas, le projet est assez ambitieux de ce qui était annoncé. Donc, ça avait l'air très, très, très sympa et de pas juste avoir un reskin. Y a vraiment une idée de retravailler le moteur et de retravailler du coup derrière aussi des mécaniques peut-être nouvelles, un peu différemment, ce genre de choses. Donc, ils ont pas l'air de juste vouloir faire un reskin. C'est bien. En vrai, c'est très, très bien. Moi, je vous avoue que ça me tente énormément, hein. Niveau jeu de gestion, Banished a eu la super idée de pouvoir construire un bâtiment sans route, un vrai plus en termes de stratégie. Alors Banished, j'ai beaucoup de mal avec parce que je trouve que il est vide. C'est mon problème, je trouve qu'il est vide. Choisissez un pilier. Nul ne peut affronter la tempête seul. Sa Majesté la Reine vous offre un pilier qui guidera votre ville sur la voie de la prospérité. Réfléchissez bien à votre choix car il est irréversible. Ok, donc en gros c'est un bonus sur le temps. Ok, on a 2 possibilités, contrat d'exploration. L'Académie Royale désire obtenir une carte détaillée de la région, propose d'approvisionner quiconque lui viendra en aide. Obtenez 20 roseaux et 20 argiles pour chaque clairière découverte. Pourquoi pas. Les matériaux de construction représentent la fondation de chaque colonie. Station de travail primitive, la vitesse de production est augmentée de 50%. Alors, je vais dire une connerie, mais potentiellement, hein, mais pour moi, il me semble plus intéressant de prendre le contrat d'exploration, parce que l'outil de charpentier, c'est sur la station de travail primitive. Le truc, c'est qu'il y a des chances que assez rapidement, tu débloques d'autres niveaux de construction, et que du coup, au final, la station de travail primitive, tu t'en serves plus. Donc, est-ce que c'est pertinent et intéressant d'avoir une station qui va produire peut-être 50% plus vite, mais que tu vas pas utiliser forcément très longtemps? Je suis pas certain. Je pense que le contrat d'exploration, ça doit être mieux. On va prendre le contrat d'exploration. D'ailleurs, on voit qu'on a pas mal de bonus qui sont venus s'ajouter, hein. Hache renforcée, légumes géants, riche en fibres, pelle en acier. Ça commence à faire des trucs sympatoches. Et bonjour, Durdenov, comment vas-tu? Banished, il est chill, hein, mais il fait vide. Pour moi, il fait beaucoup trop vide. C'est vraiment son problème principal, c'est qu'il me fait vide. Je peux déplacer gratuitement le camp d'herboristerie. Bonjour. On va le mettre là pour le moment. On va le mettre là et en plus je pourrais tout récupérer. C'est quoi comme spécialisation ça? J'ai personne pour ça, on est d'accord, hein. L'espèce de petite bouteille violette là.
On va mettre des humains. Hein. Phobie, hein, mais je ne fais que passer juste pour faire coucou. Bah, c'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours ça de prix. Merci beaucoup pour le passage. C'est adorable. J'espère que tu passeras une aussi bonne journée que possible, en tout cas, loin de nous aujourd'hui, si tu ne restes pas. Mais en tout cas, merci beaucoup de passer. C'est toujours vraiment cool, hein, vous savez, même si vous venez pas poser de l'urk ou quoi, juste venir faire un petit coucou, bah, c'est sympa, quoi. J'ai pas l'impression d'être seul derrière mon écran comme un gland. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Donc ça, on a dit, on peut pas l'améliorer plus. En soi, j'aurais tout ce qu'il faut pour le débloquer et l'améliorer, mais bah, malheureusement, on n'a pas le QG amélioré assez, donc bah, on est coincé là-dessus. On est coincé là-dessus. Donc là, pour l'instant, je bouge pas le bûcheron parce que j'aimerais bien qu'il me fasse de la place, qu'il me débloque en fait tout un tas d'endroits. Ce serait bien, notamment ici. Je peux continuer un petit peu la route, d'ailleurs. Hop, voilà. Parce qu'on va vouloir replacer une maison ici. Hop, et on va la mettre là. On n'a jamais assez de maisons. Hein. Ça sera toujours utile. Ça sera toujours utile. Nous avons encore deux personnes sans abri. Alors normalement, quand on va construire ça là de maison, on n'aura plus de personnes sans abri puisque ça fait trois emplacements d'habitation. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Là. Ça a plutôt bien miné, hein. Ça a plutôt bien miné. Il reste plus forcément tant que ça, hein. Donc ça avance, ça avance. Je n'ai pas fait la station, pardon. J'ai oublié. Personne n'a de bonus. Non, personne n'a de bonus. Ici. Ici, il faut que je fasse quoi? Des planches. Ouais. Bah du coup, on va dire quoi comme stockage? Est-ce que je peux définir une limite? Limite verrouillée pour l'instant. Bah voilà, du coup, ça répond à ma question. Ça répond à ma question. Donc là, ils vont venir amener du matos et ils vont le faire automatiquement, de ce que je comprends. Ah, là, je pourrais choisir le type de matériau. Ah, quand vous avez un espèce de deux petites flèches, c'est que vous pouvez changer le matériau de base. C'est intéressant à savoir, ça. C'est intéressant à savoir, ça. Ok. Bon, bah, du coup, c'est parti. Ils vont commencer à faire les petites planches et compagnie, tout ce qu'on a besoin. On peut choisir un nouveau pilier. Ces colons ont été dépêchés ici par la couronne. Quel groupe désirez-vous employer, émissaire? L'autre continuera son chemin jusqu'à la prochaine colonie. Deux humains, un castor ou trois humains? Je pense que je vais prendre deux humains, un castor. Ça m'a l'air bien. J'aime bien les castors, en vrai. J'aime bien les castors et je serais assez tenté de faire un troisième camp de bûcheronnage, par exemple par ici. Ça me semblerait adéquat. Ah non, je peux pas ici. Bah, on va les faire là. On va le faire là. Je pense que c'est pas mal parce que en vrai de vrai, ils vont pouvoir aller taffer joyeusement. Hop. Là ici, ils sont en train de. Donc par contre, les ressources, on voit qu'elles ne sont pas renouvelables. Hein. Là, les ressources, elles disparaissent. Hein. Une fois que c'est vidé, il n'y en a plus. Hein. Pareil ici, je crois que c'est en train de se vider assez rapidement, mine de rien. Parce qu'il me semble qu'il y avait plus que deux gisements. Il me semble qu'il y avait plus que deux gisements. On en a combien? On en a que 8. Donc là, il me faudrait un castor de plus. Pour l'instant, je vais pas mettre autre chose. En soi, je pourrais. Hein, mais je vais attendre d'avoir un castor de plus. Je vais attendre d'avoir un castor de plus. Je vais pas forcer à avoir des Jean-Michel random. Ça me semble pas forcément optimisé. Je pourrais peut-être mettre des maisons par ici, par contre, ceci dit. Ça serait pas mal. Je peux déplacer gratuitement en plus de ça mes camps de bûcherons et tout ça. Ce qui est très bien. Donc hop, je vais le déplacer par là. Voilà. On va venir refaire des maisons. Hop, 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 hop. Très bien. On refait une route. Voilà. Donc au fur et à mesure, on va faire une jolie petite ville. Un petit truc un peu sympa. Ça commence à grossir, hein, mine de rien. Bon, là, on est encore dans le tuto, hein, en vrai. Donc, c'est pas une vraie première partie. Mais bon, vous voyez l'idée. Vous voyez à peu près l'idée du gameplay, quoi. C'est quand même le point important, c'est de voir à peu près à quoi ça va ressembler. On a les briques, c'est fait. Là, on attend les planches et on attend le tissu. Donc, les briques, je pourrais l'arrêter. Parce que j'ai pas besoin d'en faire plus et qu'il faut que je priorise la production de planches et de tissus. C'est ce qu'il faut que je mette en avant, donc voilà. Ça a l'air sympa ce jeu, mais oui, comment vas-tu Apollyon?
J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aujourd'hui, aussi bien que possible. Toi, tu as une bonne portée. En vrai, je vais déplacer le camp de bûcheron ici. Pour le mettre par là. Notamment parce que ça me permet de découvrir une nouvelle clairière. Ce qui me semble être une bonne idée. Les planches, c'est fait. Je peux désactiver les planches. Plus que le tissu. Et comme ça, on aura le tissu de fait. Je pourrai valider la mission. Les petites maisons avancent. Là, d'ailleurs, ça récupère pas mal de bouffe, j'ai l'impression. C'est cool. D'ailleurs, on est au limite de la map. Hein. Elle est pas immense, celle-là. Enfin, elle est pas immense, j'en sais rien. On voit peut-être qu'elle est grande par rapport aux autres. Mais je pense que comme c'est le tuto, elle doit être assez petite, en vrai. Il y a qu'une seule... Ouais, en vrai, il y a qu'une seule clairière qui est dangereuse. Et on va finir par l'ouvrir. Est-ce que... Ouais, là, si on laisse faire les bûcherons, en soi, ils vont ouvrir cette zone. Ils vont déjà ouvrir en bas d'ailleurs. Pour le coup, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Mais ils vont déjà ouvrir en bas. Là, je vais leur demander d'ouvrir un peu ici. Tac. Alors, je mets des ordres. Même si là, ils pourront pas être faits. Parce que du coup, il n'y a pas de camp de bûcheron à porter. Mais comme je les déplace de temps en temps, je me dis que c'est pas grave en fait. Hop. Voilà, on va venir mettre des trucs un peu comme ça. Hop. On va faire un peu de place. J'ai accompli ma mission. Les récompenses. Et maintenant, il me faut ouvrir une clairière dangereuse et une ancienne tablette. Très bien. Donc, j'ai débloqué encore une récompense. Donc, un nouveau plan. Et là, j'ai le choix. Vous gagnez en renommée. Vous pouvez désormais choisir un des plans de sa majesté... Un des plans que sa majesté la reine vous offre. J'ai le choix entre la maison de lézard, la maison pour humains, la maison de castor. Ce que j'ai le plus, c'est les humains. Donc, en vrai, je me dirais qu'en toute logique, ça peut être impertinent d'essayer de faire la maison des humains. Après, si on regarde au niveau bonheur, les humains ont 21 de bonheur, donc ils sont plutôt bien. Les castors ont 16 de bonheur, donc ils sont un peu moins bien. Et les lézards ont 12, ce qui est très peu. Donc, au final, est-ce que j'essaierai pas d'améliorer le moral des lézards? Et je pense que oui, hein. Je pense que je vais essayer d'améliorer le moral des lézards. Je peux pas remplacer une maison qui est déjà posée. Ok. On va venir poser ici. Hop. Toi, il faut que je te déplace. Alors, il faut que je te déplace à un endroit où c'est intéressant. Bah, en fait, ici. Hop, très bien. Et maison pour lézard. Voilà, tac. On vient mettre... une petite route, une fois n'est pas coutume. Et ça devrait aider à remonter le moral des lézards. Je présume, avec bon espoir, que les lézards vont automatiquement aller dans une maison pour eux. Oui, ça va. S'ils voient qu'il y a une maison qui a une meilleure qualité, ils y vont. Et d'ailleurs, on voit que là, le moral est en train de monter, du coup. On voit qu'il est passé de 12 à 13 et qu'il va passer vers 14. Et c'est très bien. Ok. Ok. Eh ben parfait. Parfait. Du coup, j'ai peut-être des maisons qui vont se vider. Ah bah voilà, typiquement, j'ai des maisons qui vont se vider. Est-ce que ce ne serait point pertinent éventuellement de les péter pour du coup laisser de la place ici. Et en vrai, je pense que oui. Hop. On va casser un petit peu les choses. De toute façon, les humains vont venir reprendre là où il fallait ailleurs. Et vu que j'ai encore deux maisons à faire, ça me semble bien. D'ailleurs, je vais réactiver ici la production de planches, la production de briques. Je pense que c'est impertinent. Le tailleur de pierre ici n'a plus rien à porter. Donc, je peux le déplacer. Je peux le déplacer ici. Hop. Au boulot, Billy. Ça, j'ai l'impression que ça repousse... Ou en tout cas que ça reste renouvelable parce que j'ai laissé le camp de cueillette depuis le début. Ça n'a jamais fait disparaître. Donc, a priori, peut-être que ce sont des ressources renouvelables. Ce qui est bien. Si c'est le cas, c'est très bien. Enfin, moi, ça m'arrange en tout cas. La tempête revient. Mais non, je me suis merdé.
Je me suis merdé au niveau de la route. Tac. Voilà. Très bien. Bon, en vrai, on peut déjà continuer à placer des choses ici. Hein. On peut continuer à placer des choses ici. Ok. Bon. Va falloir aller chercher la clairière dangereuse quand même. Hein. Ah là, on voit que le moral a baissé. On voit que notamment, les lézards sont en train de descendre de 12 vers 10. Mais ceci dit, il manquait une maison qui va être construite là. Alors, est-ce que ça va pas re-améliorer la chose? C'est bon, ça a validé à 11. Ça a validé à 11. Donc là, le moral des lézards ne descendra a priori pas en dessous de 11. Même en pleine tempête, ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, les humains et les castors, ils ont un peu baissé. Notamment, les castors sont descendus à 12. Presque le moral des lézards, finalement. Mais ils n'ont pas l'air de partir plus bas, donc c'est bien. Et les humains sont à 17. Les humains, ils en ont rien à péter. Les humains, ils font « Non, mais nous, on est bien. » Après, ça me va. Hein. Moi, si les humains, ils tiennent bien le coup, parfait. Hein. Parfait. Du coup, il faudrait quand même venir découvrir la clairière ici. J'hésite à annuler des ordres en fait. Et encore, j'ai envie qu'ils découvrent ici. Non, je pense que je vais laisser faire. Hein. Je pense que je vais laisser faire en toute franchise. On va juste attendre. Ah ! Envoyé de sa majesté, nul ne peut affronter la tempête seul. J'ai un bonus. Ligne de livraison d'œufs. Toutes les 15 minutes, je reçois 15 œufs. Ou ligne de livraison de fibres. Toutes les 15 minutes, je reçois 15 fibres. Je pense que je préfère la ligne de livraison d'œufs. Je pense que je préfère les œufs parce que c'est de la bouffe. C'est con, hein. Mais c'est de la bouffe et je me dis qu'il vaut mieux avoir une cité qui s'alimente qu'une cité qui partira en cacahuète. Hop. On va venir mettre des humains. On va venir accueillir des nouveaux colons. Et on va examiner. Hop, ça me donnera des gens en plus, ce qui m'a l'air très bien. Un lézard et un castor. Très bien, très très bien. Ça va me mettre mon troisième castor ici, que justement je voulais rajouter. Donc moi ça me semble fort fort bien. Hop, j'ai également un arrivant à choisir. Des lézards ou humains et castors. On va essayer de rééquilibrer un peu notre population. Je pense que je vais prendre les lézards. Histoire de retomber sur une quantité un peu plus équivalente. Et du coup, bah, ici, je vais commencer à construire des maisons de lézards. En plus. Parce qu'il vaut mieux avoir plus de maisons de dispo qu'il n'y a d'habitants. Ça fera pas de mal, ça se remplira tout seul. Bon, j'ai pas encore les autres maisons spécialisées. Donc ça pour l'instant, je suis puni. Mais peut-être que je les débloquerai. Qui sait ? Qui sait. Pour l'instant, j'ai toujours que 8 castors. On fait gaffe un peu. Bah, c'est presque fini. Et c'est bon, on a un castor de plus. Donc ici, on vient rajouter Jean-Michel Castor. Au boulot, Jean-Michel Castor. Là, c'est opti. Là, c'est des Jean-Michel random. De toute façon, il n'y a pas de spécialité là-dessus. Ça, c'est opti. Tac, tac, tac. Ici, ça, il n'y a pas de petit. Donc, Osef. Ça, c'est opti. Ça, il n'y a pas de petit. Ça, il y a un opti, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas et on n'a pas d'espèce qui est adaptée à ça. Donc, Osef. Osef sur 20. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres trucs que je pourrais récupérer avec ça? Non, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Que ce qui est déjà sous portée. Tant pis. Pas bien grave. On va continuer un petit peu la route. Hein, puisqu'on le peut. Les ressources comme ça, je peux pas les récupérer si j'ai pas le dépôt. Hein, on est d'accord. Hein. Il me faudra un camp de fouille ou un camp de chasse. Je n'ai aucun des deux. C'est très triste. C'est fort triste. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Est-ce que là, il n'y aurait pas un castor qui viendrait s'en occuper un petit peu pour faire de la place et débloquer une carrière? Non. Ça vous tente pas, les gars?
On va continuer à faire les routes, hein. Plus il y a des routes, plus ils vont se déplacer vite, je pense. J'ai pas vérifié, mais un simple chemin qui ne demande aucune ressource augmente la vitesse des villageois de 5%. Donc oui, j'ai bien fait de faire des routes. C'est un peu par réflexe que j'ai fait des routes, hein, en me disant non, mais les routes, c'est important. Mais ouais, il y a un bonus de déplacement. C'est pas absolument nécessaire, hein. On peut tout à fait construire sans route, hein. On peut placer un bâtiment au milieu de nulle part, ça ne posera pas de soucis. Voire même, là, vous voyez qu'il y a des œufs qui bloquent le chemin en soi, donc ça casse la route. Mais on s'en fout, en fait. Au final, on s'en fout, ils peuvent quand même se déplacer. C'est juste qu'ils vont plus vite sur des routes. Donc, évidemment, moi, j'essaie de prioriser le fait d'avoir des routes. Ça me semble pertinent dans l'idée. Mais on n'est absolument pas obligé. On peut tout à fait construire sans route en mode OSEF. Je pense qu'il faut quand même laisser un emplacement vide pour qu'ils puissent notamment aller dans les entrées de bâtiments, puisqu'on a vu qu'il y avait des entrées de bâtiments et des sorties de bâtiments. Donc, en soi, il doit quand même demander à ce que la porte ne soit pas bloquée. Mais en dehors de ça... Ah, ici, on a fini les légumes. On a fini les légumes. Ok. Ok, ok. Très bien. On va peut-être bientôt ouvrir la clairière, tiens. Peu à peu, on progresse là-dedans. On progresse. Accomplissez vos missions. Bah oui, j'essaye, Billy. T'es caté, hein. Je fais ce que je peux, hein. Quand même, hein. En vrai, vous savez ce qu'on va faire. On va annuler. On va annuler à certains endroits. Genre là, je vais le laisser faire à la vitesse qu'il veut, où il veut. Vous voyez? Je vais pas être chiante. Franchement, vous pétez ce que vous voulez, les gars. J'ai quand même envie de les pousser à péter un peu plus vite. Ici. Et ici. Parce que je veux débloquer la clairière qui est ici pour l'objectif de la mission. Et j'ai envie qu'il débloque ici la petite clairière. Donc quand même, voilà, je vais laisser des trucs ouverts pour qu'ils puissent notamment ici ouvrir, hein. Ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Petit effort les gars, hein. Un petit effort. Bah là voilà, parfait, nickel. Et bah il y a des légumes et il y a un gisement d'argile. Très bien. Et bonjour Fessy. Poulet, poulet, piou piou piou. Comment vas-tu, Frissy? Est-ce que tu te portes bien aujourd'hui? J'espère aussi bien que possible. Du coup, cette clairière n'était pas transcendante, hein, on va pas se mentir. C'était pas la clairière de toutes les clairières. Hein, c'était pas la clairière de notre vie. Hein. Bah, de toute façon, il en reste plus beaucoup. Hein. En vrai, des clairières, il en reste plus beaucoup. Il en reste 1, 2, 3. Ah bah oui, il en reste plus que 3. Donc en vrai, de toute façon, là, la mission, clairement, c'est une mission tutorielle. Non, on ne tue pas Toriel, c'est pas bien. Mais pour le coup, on va facilement la valider, puisque bah, il reste plus qu'un cran pour qu'elle soit contente et qu'on ait gagné la mission. Et la dernière mission qu'on a, c'est ouvrir la clairière dangereuse. Donc finalement, ça va. C'est pas la clairière la plus transcendante de la forêt. Bah non, mais j'y peux rien, moi. Elles sont nulles, ces clairières-là. Osef, un peu tout ça. Moi, je veux des meilleures clairières. Donnez-moi des meilleures clairières, quoi. Donnez-moi la clairière de votre vie, nom de Dieu. Ah, par contre, ça avance, ils l'ont bientôt ouverte. Ils l'ont bientôt ouverte. D'ailleurs, je vais vraiment prioriser en mode, allez, viens casser le petit arbre qui est là. Ouvre-moi cette clairière en deux. Please. Please. Open the clairière. Ça y est, ils sont en train de taper l'arbre. Ils sont en train de taper l'arbre. On va pouvoir valider ça rapidement. Et voilà. Donc là, vous tombez sur une clairière avec un danger. Vous avez ici un ancien hôtel. Un hôtel lugubre, issu d'une époque oubliée depuis fort longtemps. Il présente un certain danger. Mais pourrait renfermer quelques anciens savoirs susceptibles de servir la couronne. Alors, il faut l'alimenter en planches, en tissu et en outils simples. En soi, on en a 40, c'est bien. 12 et 19, très bien. Si on ne s'en occupe pas de manière cyclique... Et ça, ça craint. Ça veut dire que tant que vous ne validez pas ça, tous les un certain temps, donc là, dans 41 secondes, ça déclenche quelque chose. Là, cette fois-ci, ça déclenche la malédiction des ancêtres. Perturber les ruines de la grande civilisation est un acte qui peut engendrer de graves conséquences. Cela tue 3 villageois au hasard. Donc, ce sont des événements qui, on va pas se mentir, font mal. Il faut s'en occuper. Il faut les régler le plus vite possible. Et c'est pour ça que, du coup, ouvrir des clairières, il faut pas se précipiter. Vous imaginez si là, on n'avait pas les ressources, de manière cyclique, toutes les, globalement, une minute, on a 3 villageois qui meurent.
points. Ça, ça vous tue une partie. Hein. Si vous vous en occupez pas, ça, ça vous tue une partie. Et pour pouvoir vous en occuper, il faut avoir les ressources. Donc si vous faites pas gaffe et que malheureusement pour vous, vous vous précipitez, vous allez vous retrouver dans une situation qui craint du cul. Parce que concrètement, vous allez avoir un événement qui va se déclencher en chaîne, qui va vous buter votre cité, que vous ne pourrez pas contrôler, et derrière, qui va continuer à s'enclencher encore et encore et encore, parce que moins vous avez de gens, moins vous serez à même de pouvoir le régler. Donc vraiment, de tomber sur un truc qui pue. Et voilà, là typiquement, on se prend un événement, donc trois villageois vont mourir. Voilà. Trois villageois sont morts. Un humain, un lézard. Nul. Et là, ils sont en train de le régler, donc on n'aura pas de deuxième effet. C'est au moins ça de prix. Même en ayant mis en pause pour qu'on s'en occupe aussi rapidement que possible, vous avez vu que ça m'a sauté à la gueule quand même. Hein. Ça m'a quand même sauté à la gueule. Hein. Si c'est pas triste. Allez. Et en récompense, on va récupérer une tablette ancienne. Tiens, j'ai un effet. Je peux récupérer des gens. Alors là, on est tous assez équivalents. À la limite, je vais prendre lézard et humain parce que j'ai un peu plus de castor que le reste. Donc, allez, admettons. Pourquoi pas. Ah, et ici, tu peux pas être... J'ai pas un endroit où je peux te mettre qui est intéressant. Si, là-haut... Bah vas-y, va là-haut. Hein. Très bien, Jean-Michel. Ok. Il me dit de sélectionner de l'abattage, mais Osef, et accomplir la mission. Bah j'attends qu'il dépose la tablette. Voilà, la tablette ancienne est posée. Je livre la récompense. Et ça y est, j'ai atteint le niveau maximum des demandes de la reine. La reine, quoi, incandescente ou un truc comme ça? Non, la reine carbonisée. Voilà. La reine carbonisée, ça y est, j'ai rempli ses demandes. Donc, on gagne de l'XP, 70 points d'XP. Ce village prospérera, mais une autre épreuve vous attend. Je récupère des réserves de nourriture. Très bien. Et j'ai débloqué un certain nombre de contenus. J'ai débloqué le camp de bûcheronnage, le camp de tailleur de pierre, le camp de récolte, le camp de fouille, le camp de station de pré-travail primitive, le petit foyer, l'entrepôt, le comptoir commercial et le champ agricole. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, c'est le... Ok. Très bien. On continue. Et du coup, on va se retrouver sur le QG. On va se retrouver au niveau du QG qu'on peut améliorer donc entre toutes les parties puisque, encore une fois, c'est un roguelite. Allez, Jean-Michel. Ah ? Non, ça m'a pas mis sur le QG, tiens. Ça ne m'a pas mis sur le QG, assez étonnamment. Je m'attendais à ce qu'on soit sur le QG et pas du tout. Appuyez sur une touche pour commencer. Oui. Les villageois ayant une résolution faible commenceront à quitter le village, ce qui augmentera l'impatience de la reine. Maintenir un niveau de résolution très élevé vous octroie un gain passif de réputation au fil du temps. Ok. Pourvoir aux besoins de vos villageois à l'aide de nourriture complexe, de maisons et de services vous permet d'augmenter leur résolution. Ok. Chaque espèce diffère par ses besoins. Il est difficile de satisfaire tous vos colons à chaque instant. Très bien. Les fermiers peuvent uniquement planter des cultures sur des champs agricoles qui doivent être bâtis sur des sols fertiles. Les cultures sont plantées pendant les premières saisons, la bruine, et récoltées lors de la deuxième, l'accalmie. Ok. Construisez une fermette, récoltez des céréales, servez un peu de bière dans une taverne. Ok, j'ai un plan de dispo. La fermette, très bien. Allez, hein. Alors on va faire comme d'hab, on va venir mettre, enfin comme d'hab, hein, j'ai joué qu'une fois, donc comme d'hab, rigolo, mais bon, bref. On va venir placer des petites choses comme ça, voilà, hop, très bien, nous avons dit une fermette, là, c'est très bien. Nous avons dit un camp de bûcheronnage. Oui. D'ailleurs, en vrai, on va en mettre un là aussi. Hein.
On a besoin de bûcheronner. Un camp de taille de pierre. Hop, hop. Ensuite, un truc de récolte ici. Un champ de fouille. Rien. Osef. Ok. Là. On va faire ça. D'ailleurs, comment ça marche? Je peux en mettre autant que je veux. Donc là, je peux tout mettre. Ça sera apporté. On va voir. Une station de travail primitive qu'on va vouloir mettre, admettons, par là. Là, j'ai débloqué des choses, notamment le petit foyer ici, qui d'ailleurs n'a pas la même gueule que tout à l'heure, tiens. Parce que on avait le petit foyer, alors que là, c'est un ancien foyer. Hein. Et qui, du coup, n'a pas la même tête. C'est une espèce de tortue, qui est très classe, hein, soit dit en passant. J'aime beaucoup le foyer, mais il avait pas cette gueule-là tout à l'heure. C'est rigolo. C'est rigolo. Le comptoir de commerce. Pour faire du commerce, ça a l'air bien. On verra ça. On verra ça. Très bien. Ensuite, je vais mettre de la priorité. Je vais mettre de la priorité. Priorité au max. Ensuite, on va laisser, à mon avis, un petit peu courir. Le principal, c'est d'avoir du bois. Si j'ai du bois, je peux construire. Si j'ai pas de bois, je pourrais pas construire. Donc la priorité, c'est qu'ils viennent construire ça. Hein. Là, ça, il faut qu'ils le construisent rapidement. Parce que tant que j'ai pas une rentrée de bois, ça risque d'être compliqué pour construire d'autres trucs derrière. Est-ce que j'ai des clairières qui craignent du cul ou pas? Ah, par contre, la carte est beaucoup plus grande. Hein. Oula! Oula! La carte est vachement plus grande. Oh, la quantité de bois aussi qu'il va y avoir. Ok. Donc là, il y a une clairière qui craint en bas. Très bien. Il y a une clairière qui craint un peu au-dessus. Une clairière qui craint à gauche. À gauche. Ok, très bien. Très bien. On a quand même pas mal de zones qu'on va pouvoir explorer autour de nous assez rapidement et assez facilement. Ça fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir. Très bien. Là, tu veux que je fasse une fermette et du coup des champs. Très bien, ça va venir. Ça va venir, Jean-Paul. T'inquiète. TKT. TKT, TKT, comme on dit. Hein. Bon. La fermette, je présume que ça va être avec un bonus d'agriculture. Donc, les humains, en toute logique. Si je dis pas de bêtises. Hop. Production agricole, effectivement. Donc, les humains. On voit que je peux pas avoir tous les champs de prix dans la range de la ferme. Faudra peut-être que je la déplace. Il faudra peut-être que je la déplace. Là, j'ai pas de quoi mettre des Jean-Michel en plus. Donc, ça attendra parce que je veux mettre des castors hein, dedans. Là, je vais mettre des lézards. Et je vais peut-être comme... Ah non, j'ai pas de quoi mettre de l'hébergement. Ah. Alors, je peux choisir deux bonus. Soit la fermette produit des marchandises 50% plus rapidement, ce qui peut être intéressant. Soit je récupère toutes les 5 minutes des tonneaux. Et en vrai, je me dis que les tonneaux, c'est peut-être bien. Avoir des rentrées de ressources constantes, je me dis que c'est forcément une bonne chose. Parce que j'aurais pas à dépenser pour les faire, en fait. Donc ça me semble bien. Donc ça me semble bien. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ok. J'ai pas un bonus? Non. Hein. J'ai rien qui m'attend, ok. Et ben, plus qu'à attendre que ça... Que ça construise, que ça mine, tout ça, hein, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. On va dire, venez couper des trucs là. Venez couper des trucs là. Hein. On va essayer de surtout ouvrir les clairières. On va surtout essayer d'ouvrir les clairières, hein, comme d'hab. Là, je peux mettre des gens, je vais mettre un Jean-Michel. Ah oui, mais du coup, non. Parce que sinon, je peux plus construire. Il me faut un Jean-Michel qui n'a pas de taf, parce que sinon, je ne peux pas construire, ce qui est problématique. Ce qui est problématique. Donc non, non, il faut que je laisse quelqu'un sans emploi. Et actuellement, il n'y a qu'un seul humain qui est sans emploi.
Du coup, ça, c'est des humains ou... Parce que j'aurais dit que c'était peut-être les castors avec leur... Ah non, c'est un humain. Ils ressemblent à quoi, les castors? Ah bah oui, non, les castors, c'est eux. Ah bah oui, non, mais en même temps, ils ont une grosse queue de castor. Oui, certes. Et ça, c'est un lézard. Très bien. Ok. Mais du coup, c'est marrant, le skin des humains, avec une espèce de grand chapeau hyper long. C'est assez rigolo. Ça fait genre une carapace. Ça fait limite des tortues. C'est des humains tortues. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Et donc, on va planter des légumes et des céréales. Ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air très bien. Ah, mission. Hop, je valide. Ensuite, tu me demandes un camp de bûcherons et tu me demandes des abris. Mais quand tu veux, Billy. Quand tu veux, Billy. Je voudrais. Je voudrais faire des maisons. Crois-moi. Crois-moi. Et pour l'instant, je suis puni, j'ai pas le droit. Ah, mais je vais probablement, voilà, débloquer la maison. Très bien. Hop. Hop. Voilà, venez faire des maisons. Tu veux pas planter du coton? Bah, pas dans ce jeu-là, je crois que c'est pas nécessaire. Je crois que dans ce jeu-là, ça va. J'ai de la marge. J'ai de la marge encore. Les bûcherons avancent, hein, ils découpent au fur et à mesure, ils s'avancent. On va bientôt voir ce qu'il y a dans les deux clairières. J'aimerais bien récupérer des castors en plus, en vrai. Ça serait pas mal. Ah, et là j'ai débloqué les limites. Utiliser la limite globale, oui. Donc là, on est d'accord que c'est la limite pour tous mes stocks. Si je dis une quantité, admettons, de 10, tous mes stocks vont dire 10, hein. Ouais, c'est ici que je regarde. Planche. Non, ça marche pas comme ça. D'accord, ça marche comme ça. Donc c'était l'inverse. C'était l'inverse. Très bien. Donc, disons. Donc là, bah, j'en ai pas 50. Hein, donc on va voir. 10, ça me semble bien. On va dire une quantité de 10, c'est pas mal. Hein. Bon, après, j'ai pas encore Jean-Michel dedans. Mais comme ça, je lui demande d'avoir tout le temps une limite de 10 dans les stockages. Ici, là. Épargné par le coton pour cette fois. Oui, pour une fois. Enfin, peut-être que plus tard dans le jeu, il va me dire en fait, tu veux pas du coton? Et je vais être là en mode non! Pas le coton! Pas le coton! Hop là, on déverrouille. J'ai récupéré notamment des castors, très bien. Et des composants. Là, tu vas me demander quoi? Un camp de chasse? Ah, c'est nouveau ça, tiens, par contre, ceci dit. Le camp de chasse. Alors, le camp de chasse. Il y a de la bouffe par ici. Et il y a la place juste là. Très bien. Le camp de chasse. Bonus. Viande. Et je crois que les lézards l'ont. Oui. Les lézards l'ont. Très bien. Très bien. Ici, je vais mettre des castors. Et du coup, ici, je vais remplacer par des humains, puisque j'ai besoin d'avoir des lézards de dispo. Oui, exactement. Alors, après, en vrai, non, c'est pas que je suis anti-coton. C'est juste que sur V-Rising, j'en manque. C'est ça le problème, c'est que j'en manque. Mais je suis pas anti-coton en soi. J'ai aucun problème avec le coton. Le Kansas, c'est pas un état des États-Unis, ça? Oh, tiens. Une couveuse et avec un camp de chasse, je pourrais récupérer de la bouffe, tiens. Ici, je peux récupérer des colons. Bah, en vrai, je pense que je vais récupérer des castors. Je vais récupérer des castors, comme ça me permet d'en mettre un troisième ici. Et ça, c'est assez appréciable. C'est assez appréciable. Et là, je pourrais commencer à mettre des jambilis, hein. Je pourrais éventuellement commencer à mettre des jambilis. À voir. À voir. Bon. Mais déjà ici, ça, c'est ouvert, c'est plaisant. Je vais lui demander d'ouvrir également par là. Comme ça, je débloque celle-là. Ça serait bien. Je suis pas anti-coton, j'ai moi-même un t-shirt en coton. Exactement. Exactement. Par contre, je suis anti-colon. Ça, oui. Mais c'est pas tout à fait la même chose.
Enfin, je suis anti-colon, et là, actuellement, je suis en train de faire un colon, hein, mais parce que là, c'est de la colonie, hein, donc bon. On vient poser nos petites fesses dans des territoires. Ceci dit, il n'y a pas de natifs qu'on vient spoiler de leur terrain. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment la même dynamique? Non, peut-être pas. Peut-être pas, quand même. Là, on est peut-être des... Not all colon, voilà, oh mon dieu. Not all colon, mon dieu, ça part mal. Ça part mal. Et c'est comme ça que finalement je suis devenu de droite, en jouant Against the Storm. Triste, 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 fort triste. Faut demander aux arbres et aux fleurs. Oui. Oh, ça serait bien s'il y avait une des races, ça serait genre des Ents ou une connerie comme ça. Hop là, mission validée. Parfait. Et il va me demander de faire un fumoir. Très bien. Je débloque donc le fumoir. Et le fumoir, ça a l'air très bien. Ça a l'air génial. C'est immense. C'est immense. Et bonjour. Comment vas-tu, Jean-Mi? Bonjour, j'arrive sur Not All Colon. Non, mais attends, mais c'est parce qu'il y a un contexte. Non, mais il y a un contexte. TKT, tout va bien. Alors, ceci dit, je suis un peu emmerdé parce que j'aimerais bien le poser par là et je me fais emmerder par ça. Ici, il y a une petite, un dépôt d'argile et c'est tout. Ah non, il y a aussi des œufs. C'est bien, les œufs. Donc là, je vais dire, cassez-moi tout ça. Cassez-moi tout ça. Please. Please. Voilà. Venez me casser tout ça. On va juste enlever. Voilà, ça. Très bien. Pour avoir la place pour notamment poser, bah, du coup, le fumoir. Merde, j'ai lu Not All Coton. Non, c'était Not All Colon. Mais vu qu'à la blase, on est parti quand même sur colon par rapport à coton, tout ça, finalement, ça se tient. Finalement, ça se tient, il y a de l'idée, tout est bien, tout est bien. Eh ben, allez, chaud cacao, bougez-vous, hein. Coupez des arbres, please. D'ailleurs, faudrait peut-être que je coupe des arbres ici pour remettre une note fermette par là. Après, j'ai pas tant d'humains de dispo, mais sur malentendu. Yes, all Gérard Colomb. Oh non, 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 non. Non, non, oh non. Pas Colomb, non, non, non. Pas celui-là. Déjà que les colons, c'est pas bien, mais alors lui... On peut s'en passer, hein. Je vous jure, hein, je vous jure. Ici, il faudrait peut-être que je commence à un petit peu travailler sur les fibres. Qui viennent récupérer un peu les fibres. Les fibres, ça fera pas de mal. Ça fera pas de mal. Et je voulais placer un fumoir. Et je peux toujours pas parce qu'il y a un putain d'arbre au mauvais endroit. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu qu'il s'occupe de virer l'arbre. D'ailleurs, ceci dit, j'ai vu qu'il y avait un truc... On va bientôt s'en passer. C'est beau. C'est beau. J'allais dire un truc. On va... on va essayer de faire un centre de commerce. Parce qu'on a la possibilité de faire un centre de commerce. Mais je ne l'ai pas encore produit. Je l'ai pas encore posé. En même temps, on est un peu limité en place encore. Hein. Il faudrait que je nettoie un peu plus violemment tout ce qu'il y a autour de nous. Mais en vrai de vrai, il y a de quoi faire un petit truc sympatoche, je pense. Parce que le commerce, je présume que ça va être super intéressant pour récupérer, genre, peut-être des colons, peut-être des ressources qui pourraient nous être utiles, des ressources améliorées ou quoi. Ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Allez, coupez les arbres que je puisse poser ce foutu truc. Ça serait gentil. Oh là là, le moral. Le moral qui drop, mais comme l'enfer. Le moral qui drop comme l'enfer. Ah, mais parce qu'il y a des gens qui sont sans maison. Attendez. Non, mais attendez, ça s'était pas vu, ça. Je n'avais point vu. Je n'avais point vu. Je n'avais point vu. Est-ce que je peux aller mettre ailleurs? Oui, par là. Bah, pour l'instant, je vais mettre ça ici comme ça. Hein. Mais construisez des maisons en plus, parce que là, ça va pas être possible en fait. Si j'ai le moral qui descend trop, ils vont vouloir se tirer et ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Restez là, s'il vous plaît. Tout va bien, tout va bien. Vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Promis. Promis. Allez, les gens. Soyez heureux. Tu n'avais point vu carré, exactement. Allez, une maison de prête, presque. En vrai, il y a 9 habitants sans domicile. C'est quelque peu gênant. C'est quelque peu gênant.
Ouais, et je pourrais pas en mettre d'autres. Ok, ici, on a libéré quelque chose. On voit un champ de lin et on voit des zones agricoles. Et ça, c'est quoi? Des nids de langue de verre qui se chassent. Ce qui tombe bien, parce que j'allais dire, je crois que c'est à portée globalement. Donc, c'est très bien. Très, très bien. Allez, le moral commence à remonter, ça y est. Alors déjà parce que la tempête s'est arrêtée, ça c'est déjà un bon début. Mais aussi parce que la maison est en train d'être validée. Hop là. Nouveaux arrivants. Qu'est-ce que je veux? En vrai, je pense que je veux 3 pélos. Hein. Plus j'ai de gens, mieux c'est. Hein, donc on va dire ça. Et je peux choisir un bonus. Sac de céréales, un ensemble de techniques agricoles spécialisées pour les céréales. La production de céréales est augmentée de 1 tous les 25 cycles de production. Et brasserie efficace. On augmente la production de la brasserie. Je me dis que plus de ressources, c'est bien. On va faire le sac de céréales optimisé. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Hop, une maison de plus. Très bien. Très bien. Faisons ça. Hop. Voilà, bon, là, il y a le champ de lin qui met du temps à partir. Hein. La tempête arrive régulièrement ou c'est une grosse tempête qui va arriver dans le futur? Alors, la tempête est un événement cyclique. La tempête détruit cycliquement, en fait, les choses. C'est l'événement qu'on a eu juste avant. Et c'est pour ça que le monde est tombé en ruine, en fait. Parce que, ben, la tempête est tout le temps là, constamment. C'est toi qui as un bonus dedans, hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, on va dire 10. La poterie, on va dire 10. Et de l'encens. Alors, je manque d'un truc pour faire de l'encens, mais on va dire 10 aussi. Des racines. Je sais pas à quoi je les récupère. Résine, je sais pas à quoi que je les récupère. Pour l'instant, je vais laisser herbe parce que je sais pas. Ah putain, d'accord, ok. Je viens de comprendre. En fait, si je passe par là et que je leur mets une valeur, ça fait de la merde. Ça fait de la merde. Donc on va juste dire 10. Hop, 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 10. Je pense que c'est bien 10. Hop. Et pour l'instant, je vois du coup à chaque fois les productions. Je me demande si à terme, ce qui devrait arriver en vrai. Hein, parce que là, notamment, la station de travail primitive, je pense qu'on aura du mieux. Je pense que peut-être on aura des recettes plus intéressantes à un moment donné, notamment quand on va avoir débloqué un truc très con, mais des usines améliorées en fait. Quand on va débloquer des usines améliorées, à mon avis, on va se retrouver dans la situation où justement ça va devenir intéressant de bloquer certains endroits en leur disant non, toi tu produis rien, tu fais pas, parce que ça coûtera plus cher de faire dans telle station, alors que dans l'autre station ça sera plus intéressant à produire. Ici, je peux améliorer le bonus en mettant des décorations. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop. On va venir mettre des petites décos. On va venir mettre des petites décos. Hop. 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 Alors on va faire un truc comme ça. Et coucou Céron, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien ce matin, aussi bien que possible. Ici on pourra mettre un petit champ. Donc je pense que quand je vais déplacer le bûcheron, ici ça va devenir un champ. Hein. Ici ça va devenir un joli petit champ. Ça me semblera pertinent. Ça me semblera assez pertinent. D'ailleurs les bûcherons, j'ai bien envie que vous ayez découvrir la magnifique clairière qui est ici. S'il vous plaît. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Là, on n'a pas de bonus, hein, donc pour l'instant... Après, ceci dit, je peux déplacer ça. Et je pense que je vais le faire. Je vais déplacer ça ici, comme ça. Ça me laisse un emplacement ici pour ajouter une maison en plus. Ce qui me semble pertinent. Une fois n'est pas coutume. Après deux nuits à l'hôtel, j'ai tapé la meilleure nuit de ma vie dans mon lit. Ah, mais oui, non, mais le lit, c'est la vie. Et son lit, c'est d'autant plus la vie. C'est d'autant plus la vie. Pareil, je vais mettre ça ici. J'aime bien faire des quartiers un peu habitation. Ça me semble assez assez logique. Ah, faut que j'en fasse 20. Alors attendez. On va venir prendre la nourriture. Et en vrai, la nourriture, c'est vrai que c'est pas déconnant de peut-être améliorer les choses.
On va venir mettre vers 50. Pour la nourriture, ça me semble bien. Pour la nourriture, ça me semble pas mal. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc là, j'ai amélioré mon bonus. Hein. On voit que j'ai amélioré mon bonus. Par contre, encore une fois, je peux pas le re-améliorer encore derrière puisque mon QG n'a pas eu l'amélioration du foyer. Donc pour l'instant, je peux pas. Je suis bloqué ici, même si je rajoute les conditions pour passer au bonus du dessus. En fait, là, je suis coincé. Le retour au boulot picote un peu, mais bon, ça va. Et vous ? Bah nous, ça va bien, ça va bien. On a passé le week-end à faire des trucs trop bien. C'était plutôt fun, en vrai de vrai. Tiens, ici, je peux remettre des humains au boulot. Allez. Donc, c'était vraiment sympatoche. C'était vraiment assez sympatoche, assez plaisant ce week-end V-Rising. D'ailleurs, il y a plein de choses qui ont été débloquées pour toi. Il faudra que tu passes en jeu quand je lancerai le serve, peut-être ce soir ou quoi. Et aujourd'hui, là, on est en pleine découverte de Against the Storm, qui est un petit jeu fort sympathique. C'est un roguelite de construction de cité dans un monde post-apocalyptique, médiéval fantastique, on va dire, grosso merdo, avec plusieurs espèces, des humains, des castors, des lézards. Il y en a une quatrième que je n'ai pas encore rencontrée, sachant que dans les mises à jour, il y a également prévu une cinquième espèce, mais ils n'en ont pas dit plus, juste une cinquième espèce. Donc c'est assez, assez cool. Il y a des mises à jour toutes les deux semaines sur le jeu, ce qui est plutôt pas mal pour la continuité, quoi. Donc c'est plutôt très très agréable. Et en termes de gameplay, bah pour l'instant, moi, je m'amuse bien. C'est un bon petit city builder, sympatoche, avec des mécaniques d'exploration, de récompense aussi à l'exploration, mais de récompense et de punition. Hein. Celui où tu vas explorer, attention à ce que tu trouves, quoi. Tout n'est pas bien à découvrir. J'ai vu un trailer, je sais plus où. Alors j'en ai parlé plusieurs fois parce que le jeu m'intéressait de ouf. Utiliser la viande dans la recette viande séchée. Ah, utiliser la viande. Hop. Attendez, fumoir, t'es où ? Bonjour, fumoir, Jean-Michel Fumoir. Hop. Voilà, utilise la viande, Billy. J'ai pas validé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi ? Ah, parce qu'on peut mettre plusieurs recettes en même temps ? Genre, attends, je lui autorise tout ? Ah. Donc là, il pourrait en faire. D'accord, j'avais pas compris, moi. Mais en fait, on peut lui dire, tu peux faire avec tout, pas juste une recette. Ça change tout, Jean-Michel. Ça change tout. Alors, du coup, ici, je livre. Très bien, il va me demander de faire une brasserie. Très bien. Ici, j'ai un bonus. J'ai des colons potentiels. Qui est-ce que je veux récupérer ? Je veux toujours qu'il y ait plus de gens. Donc, on va dire deux humains, un castor. Ça me semble bien. Ici, tac, tu vas me débloquer du coup la brasserie. Incroyable, inattendu. Oh là là. Donc j'ai une brasserie qui est très grande. Qui est très grande. Jean-Michel, très grande la brasserie. Problème ici, c'est que toi t'as plus ton entrée. Donc je vais mettre ton entrée comme ça. Ok. Derrière, on vient compléter ici un peu. Voilà. Parfait. Pop. Non, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Hein. Quoique. Oh. Ah oui, là, pour l'instant, il y a un arbre en plein milieu qui fait chier. Il y a un arbre en plein milieu qui fait chier. Pas grave. Ok, donc la brasserie, c'est bon, c'est construit. Ah, on a bientôt une nouvelle clairière de découverte. Qu'elle est peut-être un peu limite au niveau du territoire en vrai de vrai, peut-être un poil limite. Toi, tu peux plus taf, on est d'accord. Bon, j'attends qu'ils me disent au fait, c'est la merde. Donc, ici pour faire de la bière, faut que je t'autorise tout. Ici, il faut que. Oh oui, je t'autorise tout. Ici, tac, vas-y, je t'autorise tout. Ici, tac, je t'autorise tout. Ici, tac, je t'autorise tout. Brasserie, les humains. Hein. Ouais, c'est les humains qui sont bons. On vient là. Donc, aliments saumurés. Ça m'a l'air bien. On va en faire 50, comme d'hab.
On va essayer de mettre la nourriture au niveau de 50, ça me semble bien. Et nous avons quoi? Ça, c'est bon. Ça, la bière. Ah, les biens de consommation, je vais monter à 30, on va dire. Parce que ça me semble important d'en avoir un petit peu de stock. Moins que la nourriture, mais ça me semble important d'en avoir quand même quelques-uns. Les ressources de confection. Ouais. Les marchandises de commerce. On va dire 10. Et le combustible, c'est bon. Très bien. Ok. Toi, est-ce qu'il y a un endroit où je peux te déplacer et que c'est intéressant et pertinent? Oui, ici. Eh ben, vas-y. Vas-y. Camp de chasse, aucun dépôt à proximité. Ah. Là, il y a des bestioles. Là, il y a des bestioles. Je vais t'envoyer ici. Je vais t'envoyer ici. Ok. En attendant, maison. Maison. Voilà. Parce que sinon, on risque d'avoir des sans-abri. Pour l'instant, ça va. On n'a pas de sans-abri. Mais dans le doute. Hein, voilà. Ça y est, c'est fini, V-Rising. Pas du tout. Pas du tout. Comment vas-tu, Aza? Est-ce que tu te portes bien aujourd'hui? Est-ce que tu te portes aussi bien que possible? C'est juste qu'on fait une découverte sur un jeu qui s'appelle Against the Storm. Oui, certes. Bonjour. Bonjour. Discrétion absolue. Parfait. Parfait, parfait. Très bien. Hop. On vient poser les choses. On vient poser les choses. You've been not noted. Aujourd'hui, c'est une journée sans. Je suis une petite boule d'angoisse. Oh, merde. Bah, j'espère qu'ici, du coup, tu te sentiras mieux. Que tu te sentiras bien. En bonne compagnie, comme on dit. Hey, Castigmat. Yo, bonjour. Mais oui. La langue. Mais oui, ça fait longtemps. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup pour le resub, pour les 25 mois. Ça fait 25 putains de mois. Ce qui est énorme. Merci énormément. J'espère que tu te portes aussi bien que possible. Ben malade. Ah, décidément. Décidément. Ça va pas fort en ce moment pour vous. Bah du coup, j'espère que vous pourrez profiter un peu d'un moment tranquille. C'est pour ça que je peux être là. Oui, certes, ça se tient. Ça se tient. Bah du coup, j'espère que vous pouvez vous mettre tranquillement en mode détente avec nous. On est en train de faire Against the Storm, un petit jeu fort sympathique qui consiste à faire tout un tas de choses comme développer une ville, survivre à une apocalypse, ce genre de petits trucs assez communs finalement, assez communs. Ok, on n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Là, ça, je vais le désactiver pour le moment. Les bûcherons vont continuer à enlever tout le bois. Je vais attendre qu'ils aient plus de possibilités de bûcheronner avant de les déplacer. Ceci dit, je vais peut-être commencer à vouloir faire un nouveau bûcheron par ici. Alors, je manque malheureusement de castors. J'aimerais bien avoir plus de castors, mais bon. Le quotidien de tout un chacun. De qui que quoi que quand. J'ai pas suivi par rapport à ce que j'ai dit. Mais je sais plus ce que j'ai dit. J'ai deux neurones. Vous savez, moi c'est compliqué, hein, j'ai deux neurones. Y a des gens qui sont intelligents, puis y a moi, hein, donc bon. Quand même, hein. ici, on va mettre des champs agricoles au passage. Hop, comme ça, ça sera prêt. De construire des villes, de survivre à l'apocalypse. Ah, oui. Oui, c'est vrai. This is true. This is true. Ici, on va mettre un petit. Petite délimitation pour faire un peu joli. Voilà. Ça me semble important, une petite délimitation toute mignonne. Voilà, très bien. Hop. Parce que j'aime bien faire des trucs un peu propres au niveau carré, tout ça, tout ça. C'est mon petit réflexe, hein. Donc c'est vrai que. C'est peut-être pas forcément opti, mais j'aime bien. J'aime bien faire des petits trucs un peu tirés au cordeau, hein, comme on dit. Ici, je peux choisir filet, viande, plus de la production, confère un supplément de viande à chaque rendement, via collecte, agriculture ou production. Ou alors, cannibalisme, obtenez 30 de viande chaque fois qu'un village meurt ou quitte la colonie. Ah
Non, on va choisir filet. On va pas choisir cannibalisme. Non, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Et au fait, t'as des nouvelles de Jean-Eudes? Non. Tu veux une cuisse? Tu veux pas une petite cuisse? Ah, bonjour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un connard. Comment vas-tu, sombre merde? Alors, on va venir mettre un petit ban. Hein. Ça va être rapide. On va te signaler aussi, hein, mon coco, hein, tant qu'on y est. Voilà, on ban. Très bien, des bisous. Et derrière, on aimerait bien signaler. Où est-ce qu'on signale? Voilà, bloqué, track, très bien. Et signaler. Ah, et donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Comportement haineux, suivant. Insulte ou symbole haineux. Hop, hop, hop. Parole dans le chat. Voilà. Très bien. Parfait. Allez, hein. Très bien. Parfait, c'est nettoyé. Donc, nous disions. Qu'est-ce que nous disions? Désolé, hein, un petit peu à devoir à gérer. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai dû oublier une chose, c'est que j'ai pas dû remettre en follow only. Ah, bah oui, c'est pour ça. On n'est pas en follow only, donc c'est pour ça qu'il y a des connards qui peuvent venir m'insulter gratos, tranquille. Je me disais, c'était étonnant. Il se passe quoi? Bah, il y a un connard qui vient et qui m'insulte parce que, oh mon dieu, je suis non-binaire, donc les LGBT sont tous des dégénérés, patati patata. Ça arrive souvent? Ah bah, ça arrive systématiquement quand je suis pas en follow only. Et donc du coup, bah, le problème, c'est que là, j'ai reçu un raid il y a quelques temps où j'ai dû désactiver le follow only le temps que les personnes arrivent, puissent papoter et tout ça, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément envie que les gens se sentent obligés de follow, parce que c'est pas le but, et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de follow pour pouvoir discuter, quoi, parce que bon, on connaît pas la chaîne ou ce genre de choses, donc j'ai tendance à désactiver le follow only au moment où je prends un raid, mais parfois j'oublie de le réactiver, et puis bah là ça a été le cas, et donc bah du coup t'as un connard qui arrive comme ça aujourd'hui, nouvelle session de stream, et qui s'est dit tiens, c'est le bon moment, allez, venons mettre un peu de haine, quelle bonne chose. Mais enfin, bref. Comment vas-tu, Logan? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, aussi bien que possible. La brasserie, elle en est où? La brasserie, elle en est où? Bah, ça prend du temps. Ils font de la bière, allez, hein. Motivez-vous, les gars, hein. S'il vous plaît, on veut 20 bières. Au boulot, au boulot. Ouais, je pense qu'il aurait mauvais goût aussi, hein. Mais si, mangeons les riches! Ah, ça, ceci dit, c'est vrai que mangeons les riches. Après, je pense pas que ça soit de la bonne bouffe, hein, les riches. Hein. Je pense que c'est de la qualité discutable. Hein. C'est pas ouf. Hein. Ça va. Et toi, quoi de beau? Bah, ça va bien. Là, on est en train de tester Against the Storm parce que j'ai reçu la clé. En fait, le développeur m'a vu sur Twitter dire que justement, il m'intéressait bien. Et il est allé demander à l'éditeur de me filer une clé. Donc du coup, c'est grave cool parce que je reçois un mail de l'éditeur qui me dit « Oui, le développeur vous a vu, il veut que vous ayez la clé, donc bah tenez, voici une clé. » Et tu fais « Ah, plaisant, allez !» Donc trop cool. Et effectivement, le jeu me tentait beaucoup en plus depuis un moment, donc c'est d'autant plus plaisant. Toi, je sais pas où te mettre pour l'instant, donc je vais te poser par ici. Donc c'est vachement fun. Et à côté de ça, bah sinon pas grand chose. J'ai vu, parce que je suis très très souvent en lurk chez toi, entre autres personnes, mais j'ai vu que tu es en train de faire du God of War. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est pas trop le pougnage de cul? Ça va? Parce que je regarde ça de loin, mais c'est vrai que, encore une fois, je suis souvent en lurk, je suis pas actif parce que je fais d'autres trucs à côté. Notamment, je fais du V-Rising en ce moment. Oh là là, V-Rising. Ah, oh, ce que c'est bien, V-Rising. Est-ce que je vous ai parlé à un moment de Notre Seigneur V-Rising? Non, parce que franchement, c'est bien, V-Rising. Non, mais j'ai pas d'addiction avec V-Rising, c'est faux. Vous avez pas de preuves, ok? J-2 pour Ragnarok, je le fais Day One. Ouais, je me suis douté qu'il y avait peut-être aussi ça dans la logique derrière. Je me suis dit, en vrai,
on le voit dessus, mais est-ce que c'est pas justement en prévision d'une sortie? V-Rising, je vais le faire aussi. Alors, en vrai, je me tâte à faire un truc. On en fait en ce moment avec des gens. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas hosté de serveur. Et du coup, c'est seulement quand je hoste ma partie que les gens peuvent y aller. Mais je me dis que ça pourrait être assez sympa si on essaie d'ouvrir un petit serveur, notamment avec des streamers. Si on a un certain nombre de personnes qu'on connaît en stream, où on se chauffe à faire un serveur qu'on tient pendant, admettons, un mois, une connerie comme ça, et où on pourrait du coup se retrouver et essayer de jouer ensemble, ou de faire éventuellement, je pensais peut-être un système de clan, parce que du coup, il y a le système de clan qui est en gros des gens qui jouent ensemble, et je me dis si on fait genre un streamereuse et 2-3 viewers avec lui, et on fait des clans qui sont côte à côte, qui peuvent s'aider et compagnie, ça peut être sympa, peut-être de faire un petit projet V-Rising en stream. Ça pourrait être cool. Je me dis que ça pourrait être cool. Enfin bref. Let's go. Bah let's go, c'est facile à dire. Faut voir s'il y a des gens chauds aussi. Faut voir s'il y a des gens motivés. Il faut voir comment est-ce qu'on fait le serveur. Faut regarder tout ça. Mais en vrai, je me dis que ça pourrait être sympatoche. Surtout la partie aménagement des châteaux de V-Rising. Mais j'adore aménager des châteaux dans V-Rising. Je passe mon temps à faire ça. J'ai commencé un 4e château. Enfin voilà. Parce que c'est trop bien. Où est-ce que je vais mettre ça? Oh, je peux le mettre par là. On va faire ça, hein. On va mettre ça ici. Toi, le camp de bûcheron, je vais te décaler. Je vais te décaler par là. Ça me semble bien. Hop, on va mettre une fermette, du coup, ici. On va mettre une petite habitation par là. Et ici, on va mettre. On va mettre un petit drapeau, admettons. On va mettre un petit hôtel de feu, admettons. Et on va mettre. Un banc comme ça, non. Un petit tonneau, allez, très bien. On remplit les petits espaces hein, au fur et à mesure. Ça peut être bien. Ok. Donc là, les bûcherons vont taf. Ça, c'est quoi? Gants de taille de pierre. Pour l'instant, j'ai pas de taille de pierre dispo. Et camp de récolte, pareil, j'ai rien à récolter pour le moment. Donc, OZEF. Gros OZEF. Là, j'ai mis des Jean-Michel au taf. C'est bon. Là, j'ai mis des Jean-Michel au taf. D'ailleurs, je vais les déplacer. Je vais les mettre par là, histoire qu'ils puissent continuer à bosser ici bien comme il faut. Ce qui semblerait assez important. La taverne. Fable du guilleré, quoi? Qu'est-ce que c'est? Tous les soirs, un guilleré raconte l'histoire de la gloire passée et du temps de l'avant-grande guerre civile. Plus sur la résolution globale, les effets de même bâtiment de service ne se cumulent pas. Ok, très bien. J'ai des constructeurs ou pas? Oui, j'ai des constructeurs en soi, c'est juste qu'ils se touchent la nouille. Mais normalement, j'ai des Jean-Michel. Oui, parce qu'ils ont construit ici. C'est bon, non, j'ai rien dit. Ils sont en train de construire, c'est juste que ça prend un peu de temps. Ok. D'ailleurs, ça fait combien de temps la VOD? On a fait la VOD depuis 10h30 et il est midi. On va s'arrêter là pour toi, petite fougère de YouTube. J'espère que t'as bien aimé ce premier épisode de découverte, petite fougère de YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Des bisous. Ciao.